fossés ne sont plus curés. On met des buses sous-dimensionnées qui ne sont pas entretenues. Donc dès qu'il y a un orage, eh bien voilà. Voilà les économies de bout de chandelle qui font que, ben, vous voyez la vidéo, l'eau passe par-dessus et après c'est le voisinage qui trinque. Mais je pense une petite pensée aussi pour toutes les personnes qui ont eu leur maison inondée et qui ont eu aussi été, entre guillemets, secourues par les pompiers parce qu'ils avaient de l'eau jusqu'à la taille. Moi, je trouve ça inadmissible et je pense que vraiment les pouvoirs publics doivent réagir par rapport à ça parce que on dit que les impôts augmentent, que ceci, que cela, que des belles paroles, mais on se rend compte qu'à côté de ça, il faut travailler et on n'arrive pas à entretenir nos outils de travail parce que à côté de ça, certains font des économies de bout de chandelle. C'est pas top non plus. Après, je vais commencer à faire un autre, je vais en avoir dans sa maison.